Good morgen, allez, Iden, le sutra aujourd'hui, le Nishmat, Avram, Chaim, Norbert, Ben Fortuna, Mazal, Rachamim, Ben Rosa et Yedida Batester. Si vous souhaitez aussi dédier nos prochaines études de Mishnah, comme dans 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Erchin, Perek Aleph, Mishnah Gimel. Hagoses ve'ayotse lehareg, lo nidar ve'lo ne'erach. Rabbi Hanina Ben Akavia Omer, ne'erach mipene shedamav ketsuvin, aval eno nidar. Rabbi Yossi Omer Noder Uma'arich Uma'kdish Vim Hizik Chayav Betashlomin. On continue dans notre Mishnah à découvrir différentes personnes concernées par les lois des Nedarim et pas des Arachin, ou deux fois des Arachin et pas des Nedarim. C'est le principe un peu de notre Mishnah. Pour rappel, tout d'abord, un Neder, c'est faire un vœu, en l'occurrence pour le Bet Hamikdash ici, c'est vouloir faire un, se promettre de donner une, la valeur d'une chose au Beth Amidash. Ça, c'est un éder classique. C'est-à-dire que dans ce cas-là, même quand je fais un éder d'une personne, par exemple, eh bien, on va prendre cette personne, voire une personne similaire au marché des esclaves, combien il coûte, et selon son prix, je devrais donner cette somme. D'accord ? Ça, c'est pour un éder. Mais il y a une paracha particulière qu'on va voir dans la paracha de Berkotai, la paracha des Arachin, Erchin, comme ça on dit, Masrat Erchin, où là-bas, on parle des taux estimés, évalués, que la Torah a fixés pour chaque personne. Cette fois-ci, on va plus s'intéresser au cas par cas, mais on va s'intéresser à l'espèce générale, selon son âge, s'agit-il d'un homme ou d'une femme, et selon l'âge, après 30 jours, après 5 ans, après 20 ans, et après 60 ans. D'accord ? Il y a, donc la Torah a fixé des barèmes bien fixes. Et on découvre dans notre Mishnah, depuis le début du Pérec maintenant, toutes sortes de personnes, que lui, il va être concerné par les lois, s'il va le prononcer, s'il va être lui-même faire l'objet du vœu. Et là, on découvre encore deux personnes, cette fois-ci, qui sont le Gosses et Yotze Lehareg. Le Gosses, c'est celui qui est mourant. Le Barthénois rapporte du Rambam, quelqu'un qui a du... Il est tellement mourant qu'au point, il a déjà l'éclair dans la bouche, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, etc. Il a la bouche remplie de salive apparemment, qu'il n'arrive même plus à la vallée ni à la cracher. En tout cas, on parle de quelqu'un qui est mourant, il n'y a plus rien à espérer de lui. Ou encore, Hayotse Lehareg, celui qui est en train de se faire sortir pour être condamné. Et quelqu'un voit cette personne et dit, je fais le neder de donner sa valeur au Beth Amikdash, ou bien je vais donner son RR au Beth Amikdash. Et la question est de savoir, est-ce que maintenant, je suis engagé, je dois payer concrètement. Pourquoi ? Parce qu'une telle personne, au marché des esclaves, elle ne vaut rien, vous achetez pas un esclave pour qu'il va mourir dans 5 minutes, ni qu'il est condamné à mort, même s'il en fuit en ce moment. Dans 2 jours, il va se faire attraper et puis il va se faire condamner concrètement. Donc, il ne vaut rien du tout. Donc, par rapport aux lois des Nédarim, d'abord, c'est facile à comprendre. Pour les Nédarim, si je fais le vœu de donner sa valeur au Beth Amikdash, eh ben, je ne dois rien au Beth Amikdash parce qu'il ne vaut rien. D'accord ? Maintenant, pour les Arachin, il y a sur ça une petite discussion. D'abord, j'introduis un peu à l'oral, comme ça, après, quand on va lire, traduire, ça va plus vite. Pour les Arachin, donc donner les valeurs fixées par les taux, par la Torah. Alors là, il y a une petite discussion. Parce qu'en théorie, on ne s'intéresse pas au cas par cas. Donc même quand on va prendre quelqu'un de mourant, on s'en moque finalement, le fait que dans 1 heure, il va mourir. Parce qu'on ne s'intéresse plus à la valeur marchande. On s'intéresse à la valeur par rapport à l'être humain qui est là. La Torah a fixé des quotas. Et il a eu la chance d'entrer dans le groupe de ceux qui ont un beau quota, même si concrètement, il ne vaut rien. Ça peut arriver de choses pareilles. Et ça, effectivement, ce sera l'avis de Rabbi Hanan ben Akavia, qui nous dira que oui, tu peux faire un RR, parce que c'est un taux fixe. Donc, c'est fixé selon l'espèce. L'être humain, c'est quelqu'un qui a 30 ans, un homme qui a 30 ans, même s'il n'a pas de force, même s'il va tuer dans 30 secondes, pour le moment, il a son RR. Tandis que Tanakarma, lui, ne va pas être d'accord sur ça. C'est lié à un autre problème, en fait. C'est lié au fait que la Torah a insisté que Ve'amad Ve'erich. Il y a un passage dans la Torah, Ve'emido à Kohen, Ve'ericho à Kohen. Il y a deux choses différentes, en fait. On va parler du Gosses et on va parler du Cherem. Je le fais à l'oral, d'accord ? Pour le Gosses, celui qui est mourant. La Torah nous a dit, Ve'emido Ve'ericho. Vous verrez dans les psukim, là, dans Perek Ravzaïn, il y a Ve'emido à Kohen, et le Kohen devra le mettre debout pour lui faire son évaluation. Et puis ensuite, Ve'ericho, et le Kohen, il va fixer le taux que la Torah lui a établi. Et donc il y a une halakha qu'on va, on aura l'occasion d'en parler fréquemment, le principe de ha'amada ve'ha'aracha. Nécessairement, je dois avoir quelque chose que je puisse apporter, mettre debout devant le Kohen pour que le Kohen puisse l'estimer. Et si c'est quelqu'un de mourant, eh ben, il ne peut pas rester debout. Donc on est dispensé.
Vous allez me dire, le petit bébé que la toile a perdu à partir de 30 jours aussi, il ne peut pas rester debout. Là, ça fait l'objet d'un long sociologue qui parle de ça. En tout cas, il y a des différences, ce n'est pas un problème. Vous retenez pour le moment le principe, il faut le mettre debout pour l'estimer. Lui, il est mourant, on ne peut pas l'estimer. Pour l'homme, maintenant, que selon Tanakama, donc on a dit que celui-ci, il est condamné à mort, eh bien, il n'aura pas de rachin, lui, il peut très bien rester debout. Le problème, c'est qu'il ne va pas tenir debout pendant longtemps, parce qu'on va l'arracher de force, on va aller le tuer, mais ce n'est pas grave. Bon, le temps d'estimation, d'évaluation, on pourrait le tenir debout. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, malgré tout, le faire un RR de donner sa valeur? Alors sur ça, on a besoin d'un pasouk. Et on est dans Perek Kazket. D'accord? C'est comme une casquette. Kazket, Kavzaïn, Kaftet. Perek Kavzaïn et Kaftet le pasouk. Il y a un pasouk qui me dit là-bas, ce sera le juif de la parachat de Shavua pour les Israéliens. On va dire d'autres côtés uniquement, donc on aura le juif, ce sera. Et pour les Français, je crois qu'ils vont dire Berd Kodai Shabbat. Donc, eux, ce sera aussi le juillet en l'occurrence, exactement. Kol cherem asher yachoram min ha'adam lo ipade. Littéralement, c'est un peu dur à traduire, littéralement. Le rabbin Zadok Khan, la Bible officielle traduite, il traduit ça par un anathème. Un anathème, apparemment, c'est quelque chose que. Un bien que l'on sacrifie, où on met un. Où ça devient sacro-saint, on ne peut plus du tout le toucher. Il a été sacré. Impossibilité d'en tirer profit. D'accord ? Et donc, ça implique aussi que le cherem, c'est aussi quelque chose qui a été mis en quarantaine, en exil, qu'on ne peut plus aussi le toucher. Ça inclut aussi ça, le mot cherem. Ça, moi, c'est flou dans la Torah. C'est quelque chose qui est interdit, ça peut aussi s'interdire quelque chose, ça peut aussi avoir fait un cherem sur soi. C'est un mot général pour dire, comme en arabe, c'est haram. Tac, c'est un sourd, c'est écarté, c'est éloigné, c'est sanctifié aussi, ça inclut aussi ça. En tout cas, kol cherem asher yachoram min ha'adam lo ipade. Une phrase un peu floue, mais tout ce qui a été mis en anathème de l'homme ne sera pas racheté. Moi, tu m'as dit, il faudra le tuer. Il faudra un pasouk un petit peu étrange. En fait, il y a deux interprétations. L'interprétation de Tanakama, c'est nous dire qu'on parle justement de ce qu'on est en train d'apprendre. On est dans la paracha des Arachim, et la Torah elle est venue me dire, tu sais, une personne qui est en train, qui va être. Excommunié de l'ensemble du monde parce qu'on va aller le tuer. Ouais, donc il a été mis en anathème, on va aller le tuer. Eh bien, l'oïpadé, il ne sera pas racheté. Et donc, même si je voudrais donner sa valeur, je serai dispensé de donner sa valeur. Il n'aura aucune valeur. Et là, la Torah a parlé explicitement de notre Mishnah, en fait. Et comme ça, Rashi, sur le Chumash, il interprète Ayotse le hareg va amar echad erko alay, lo amar klum. Si un homme qui est en train de se partir se fait condamner à mort et que quelqu'un qui est à côté lui dit « Je vais donner sa valeur au Beth Amikdash », eh bien, le Amarklum, il ne devra rien. Pourquoi ? La Torah justifie parce que le Motumat, il est en route pour partir se faire tuer, donc il ne vaut plus rien. La Torah l'a considéré que ça y est déjà mort. Ça, c'est un avis sur l'avis de Tanakama. Rabbi Hanina ben Akavia, lui, il pense que non, quelqu'un qui est en train de se faire tuer, il a une valeur fixe. S'il a une valeur fixe, on peut quand même faire le... On est engagé par les lois des Arachim. Alors, comment il va interpréter le Pasuk ? Alors là, c'est plus explicité dans Rashi, mais c'est rapporté dans le Ramban sur la Torah, mais chez nous, c'est dans le Tiferet Israël qui en parle, qui l'interprète qu'en réalité, le pasouk, il parle d'autre chose complètement. Il parle effectivement de quelqu'un qui est en train de se faire tuer, mais que lui-même, l'Oïpadé, il ne pourra pas racheter sa mort en versant même sa contre-valeur, et même 10 fois sa contre-valeur, sa valeur marchande, au carré, au cube. Il n'y a aucune solution. Il est condamné à mort, il est se faire tuer. D'accord, c'est le principe. Et donc, de ce fait, ça va nous libérer le pasouk pour justement apprendre que. Où il aura un RR, il y aura une valeur fixe. On retrouve tout ça maintenant dans les mots, très rapidement, mes antéchèmes. Et j'ai un peu rallongé, mais quand on démarre une Mishnah, j'imagine que ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont jamais touché à ça, ça doit leur paraître sans arrêt. Ils doivent redémarrer, surtout on étudie 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par jour. Jusqu'au lendemain, on a le temps d'oublier, donc je rallonge un peu, mais c'est pas grave. Et voilà, on commence la Mishnah. Hagoses, celui qui est mourant, Vayotzelearig, celui qui est en train de se faire sortir condamné. L'onidar, ces deux cas de figure là, ces deux cas types, eh bien l'onidar, on ne peut pas le donner en vœu de valeur marchande, parce qu'ils n'ont aucune valeur marchande, mais l'on est rare et on ne pourra pas non plus leur donner leur taux estimé fixé par la Torah selon chaque personne, qui dépend de son âge et de son sexe. Et pour quelle raison? Chacun, il a sa raison différente. Le gosset, celui qui est mort, c'est parce qu'il ne peut pas rester debout, il y a marqué Ve'emido Ve'ericho, et le yotzel et areg, c'est parce que la Torah l'exclut. De Kol Cherem Asher Yechoram Mina Adam Lo Ipade. Comme ça, il rapporte le Barthénois. Le Barthénois, il a coupé ça en deux, en fait. Il s'est occupé de Gossès avec l'Onidar et l'Onerach. Après, il y a la règle, l'Onidar et l'Onerach. Parce qu'en fait, à cause du l'Onerach, il y
Là, chacun a une raison différente, donc il n'a pas voulu le voir. Maintenant, Rabbi Hanina ben Akavia Omer, Rabbi Hanina ben Akavia pense, dit, Ne'erach, tu pourras donner sa valeur marchande, son erreur, son taux fixe. Pourquoi? La Torah, parce que son barème, il est fixé par la Torah. On ne t'a pas demandé de juger au cas par cas selon ses biceps et sa force. C'est pas la question. On est en train de juger le fait qu'il y a un être humain. Et l'être humain, il a un RR. Même s'il est en train de se faire tuer, il a encore ce RR, donc tu pourras le calculer. Le Bartanoa ne précise pas ici, alors qu'est-ce qu'il fera avec le Pasuk? Je dis, c'est le Tifat Israël qui rapporte Shelo Yifde Mitato Bekofer. Qui ne pourra pas se racheter pour ne pas se faire tuer. On parle de la personne qui est en train de se faire tuer, en fait. Pas de celui qui va vouloir donner sa valeur. Donc, quand on reprend ici dans les mots, et on pourra donner sa valeur estimée par la Torah, parce que c'est un barème fixe, aval enonidar, mais par contre, on ne pourra pas le faire en vœu de donner sa valeur marchande au marché des esclaves. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il n'a aucune valeur estimable. Il ne vaut plus rien, le gars. Dans quelques minutes, il se fait tuer. Maintenant, un tout autre sujet maintenant, c'est un peu compliqué à comprendre le rapport avec ce qu'il y avait avant dans la Mishnah. Le Bar Tanoura nous fait une petite synthèse de la Gemara qui se casse la tête, qui rallonge et qui conclut ça. Qui veut dire quoi? Rabbi Yossi Omer, d'abord je traduis. Noder, Omarich, Omagdish. Il faut différencier. Jusqu'à maintenant, on a parlé que la personne qui était en train de se faire tuer ou qui était mourante, elle était lui-même l'objet du Neder ou du RR. Là, maintenant, on va parler que c'est lui, l'acteur actif, quoi, qui va faire le noder, ma'arich ou ma'gdish. Il peut, s'il veut, lui, pendant qu'il est en train de se faire tuer, il peut faire un vœu de donner ses biens au Beit HaMikdash, ou ma'arich, ou même lorsqu'il va marcher, il va voir ses deux bourreaux, il va dire, beau gosse, je donne ta valeur en RR au Beit HaMikdash. Il peut aussi le faire, et il sera engagé. Ou ma'gdish, et il pourra même aussi sanctifier, s'il est en route pour aller se faire tuer, il va dire, allez, je donne tous mes biens au Beit HaMikdash, tout mon troupeau de vaches, faites-en des corbanes, hola. Il fait ce qu'il veut. Il peut prononcer un éder, et sur ça, il n'y a aucune discussion. Tout le monde est d'accord. Pour le moment, c'est un être humain qui a une conscience. Il n'est pas devenu fou, dans la mesure où il n'est pas devenu fou, bien qu'il est en train de se faire tuer ou de mourir. S'il a encore un être d'esprit, eh bien, il peut sans aucun problème prononcer des vœux et faire des donations au Beit HaMikdash et même sanctifier tout ce qu'il veut. Mais cependant, il y a une petite différence. Ça va être sur ça qu'il y a une différence. Le Rabbi aussi continue à nous dire Veim Mehizik, et si en marchant, lui, c'était pas le gars qui était en train de se faire tuer, de vouloir donner tous ses biens au Beit HaMikdash. Il était tellement en colère que tout ce qui était sur son passage, il cassait tout. Une voiture, tac, un coup de pied dans la porte. Un truc, une vitre, il a cassé. Il a tout cassé en route. Et là, on a une question essentielle. Maintenant, il est en route pour cela, pour aller se faire tuer. Est-ce qu'il devra payer ou non les dommages qu'il a causés? Rabbi aussi nous dit comme ça, Veim Mehizik, s'il a causé un dommage, Chayav Beit HaShomin, il devra les payer. Et en fait, la Gemara rallonge et conclut que. Il y a sur ça une discussion qui n'est pas écrite dans le Mishnah, mais c'est entre les lignes éventuellement, que, en fait, que Tanakama, lui, l'a dispensé des tachloumines. Il ne sera pas tour de payer. Et surtout chez le Marcoté qu'on avait vu dans Prorot, « Kol milva aktuva batora, ayem kektuva bishtar damia, ou lo kektuva bishtar damia. » C'est-à-dire, une dette qui est écrite dans la Torah. Est-ce qu'elle a un statut de dette écrite ou elle a un statut de dette orale? Ça demande d'approfondir un petit peu, de rappeler quelques principes, c'est très simple. Yaakov emprunte de l'argent avec des témoins, mais sans shtar, sans que ce soit écrit quelque part, avec et signé. Eh bien, Yaakov décède, les créanciers ne pourront pas venir récupérer leur argent des héritiers de Reuven. Ça, c'était selon le Din Torah. Parce que le milva aktuva, c'est comme un milva alpé plutôt, et nos govemina yorshin. Milva alpé et nos govemina yorshin. Une dette orale, c'est-à-dire qu'il y a juste des témoins, c'est oral mais il n'y a pas de contrat, et bien il ne pourra pas partir se la faire encaisser des héritiers. C'est très bloquant. Tandis que s'il avait écrit un shtar, alors, avec le shtar, avec le contrat qui va venir, il pourra se faire encaisser l'argent de l'héritage que les héritiers auront eu du père. D'accord? Ça, maintenant, on met ça de côté. On se lève maintenant une nouvelle question intéressante. Quelqu'un qui cause un dommage, et qu'après il va mourir dans une heure, on n'aura pas le temps de le prendre à la Nobeddin pour le juger et le faire payer. Donc notre seul souci en fait, c'est qu'il va falloir se battre face à ses héritiers. D'où maintenant la question essentielle. Lorsque je casse une vitre, et que la Torah me dit, tu dois la réparer. Est-ce que donc, ce que moi je suis rêve de réparer, puisque c'est écrit dans la Torah que lorsqu'on fait un dommage, on doit payer le dommage.
Et dans ce cas-là, j'ai moi-même cassé la vitre. Donc maintenant, la personne endommagée, eh ben, il a un contrat avec moi. Quel est le contrat? Le contrat, c'est la Torah elle-même. Il est écrit dans la Torah que quand on casse, il faut payer. Est-ce que c'est un statut de dette écrite dans un contrat ou non? C'est sur ça qu'il y a une discussion. On l'a déjà évoqué, c'est une discussion subtile. Et quoi? Alors on a que Rabbi aussi va nous dire que c'est considéré comme un milvak tuva Torah, kiktuva bishtar damir, une dette qui est écrite dans la Torah. Elle est comme si elle avait été écrite dans un contrat. De ce fait, ça s'appelle un milvak bishtar, c'est une dette avec un contrat. Et lorsque le gars il va mourir ou se faire exécuter, eh bien la personne en danger ira réclamer son dû aux héritiers. Tandis que selon Tanakama qui discute sur ça, il pense que non, c'est vrai que c'est écrit dans la Torah, mais ça ne fait pas un statut de shtar, c'est pas signé, c'est pas personnel, et signé avec des témoins pour lui spécifiquement, donc ça n'a pas un statut de shtar, donc c'est une dette orale, puisque c'est une dette orale, eh bien lorsque le monsieur meurt, eh ben, on ne pourra plus réclamer l'argent des héritiers. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, salam.